ce qu'on voulait. C'est ce que notre fille a fait aujourd'hui. Expression de joie d'une femme de Fakobli, ville de la région du Guéman, dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Le samedi 23 octobre 2021, les femmes de cette localité bénéficiaient d'une campagne gratuite de dépistage du cancer du sein. C'était au foyer des jeunes de Fakobli. Une telle journée tout simplement pour rapprocher les populations des soins, des systèmes de soins en fait. Parce que nous nous sommes rendus compte que parfois c'était difficile pour nos parents d'accéder aux soins. L'initiative était appréciée par les habitantes, principales bénéficiaires de cette campagne de dépistage. C'est quelque chose que nous avons cherché depuis longtemps. Nous c'est vraiment pour, comme chose, nous le savons, en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire, pour aller à l'hôpital pour aller se dépister ou bien pour aller à l'hôpital, c'est vraiment difficile. Et si cela vient vers nous, en tout cas, c'est encore plus avantageux pour nous. Nous sommes contents. En tout cas, toutes les femmes sont contentes vraiment de recevoir les soins. En tout cas, ce qu'on on voulait, c'est ce que notre fille a fait aujourd'hui. Nous sommes vraiment contents et nous la remercions beaucoup. En plus du cancer du sein, des consultations pour d'autres pathologies pour lesquelles de nombreux médecins ont effectué le déplacement à Fakobli ont aussi été faites. Un acte également apprécié par les hommes. Il faut applaudir ce geste que notre fille a pensé, organisé. Et aussi, il faut que je vous dise que j'avais voulu, moi en tant que chef de village, j'avais voulu que toute la population, même ceux qui sont dans les campements et autres, tout le monde vienne pour se faire vacciner, pour avoir, disons, faire une consultation ici au niveau de Fakobli, il me semble. Selon le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. En 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré 5373 nouveaux cas, dont 3202 décès.